pompier parce que c'est le plus beau métier au monde. C'est vraiment là, écœurant, le rush d'adrénaline que ça donne. Puis c'est surtout aussi pour entrer en contact avec les citoyens, c'est apporter de l'aide au monde. C'est ce qui est le plus beau. Pour l'obtention du diplôme d'études professionnelles, il faut que l'étudiant non seulement participe à un stage, mais doit réussir ce stage. Ce stage est évalué par des évaluateurs en milieu de travail qui, eux, vont nous fournir leur rapport de stage. Et puis nous, après, on fait l'étude de ces rapports de stage-là, des évaluateurs de divers milieux à travers la province de Québec. Puis à la sortie de l'académie, un étudiant, ça s'arrête ici ou il peut parfaire sa formation puis continuer à évoluer là? Naturellement. Après ça, il peut aller au DEC, au niveau du, entre autres, le Collège Montmorency qui dispense cette formation-là. Il peut acquérir des connaissances au niveau prévention, au niveau aussi intervention supplémentaire, telles que matière dangereuse, intervention, bâtiment de grande hauteur, au niveau aéroportuaire et autres. En plus, au niveau collégial, il va y avoir aussi les cours d'officier qui vont être dispensés, officier 1, officier 2.